Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler du film The Flash, le nouveau métrage de l'irréductible DCU qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Un film The Flash pour nous introduire, pas vraiment parce que nous l'avons déjà vu dans plusieurs autres films de chez DC Comics, dans des rôles secondaires, voire vraiment tertiaires, anecdotiques et caméo, dans un premier rôle cette fois-ci, le personnage de Flash, à savoir le personnage côté DC, qui parvient avec sa super vitesse à être un très grand super-héros. C'est l'équivalent côté Marvel de Vif Argent. Nous avons donc avec ce métrage également le bonbon nostalgique Michael Keaton annoncé en long et en large dans la promotion du film, promotion assez outrancière puisque je me suis farci personnellement la bande-annonce de The Flash depuis des mois et des mois systématiquement dès lors que je me rends à une séance. Autant vous dire que je n'avais pas l'intention de voir ce film tant la bande-annonce avait l'air complètement catastrophique en vue du rendu des effets spéciaux et de la même de la mise en scène du film. Vraiment, ça n'avait pas l'air fini, mais quand j'ai vu le film, finalement, je me suis laissé tenter par curiosité. La curiosité, des fois, vous vole 2h20 de votre temps, mais c'est ainsi. Nous avons donc clairement en réalité des effets spéciaux qui manifestement étaient finis. Donc je commence là-dessus, c'est quand même se moquer du monde. Autant lorsque nous voyons un film qui a une trentaine d'années par exemple et que nous le trouvons un peu désuet en termes d'effets spéciaux, c'est plus ou moins normal, il faut resituer le film dans son contexte technologique, technique de l'époque bien sûr. Mais alors là, en 2023, voir un tel film de 2023, c'est absolument honteux. Et à mon avis, le film n'a pas fini de se faire chambrer dans les années à venir. Parce que vraiment, le décalage entre ce que l'on peut proposer techniquement avec un budget pareil et ce qui est à l'écran, c'est quand même assez effroyable. Mis à part concernant l'idée technologique qui nous rappelle évidemment le film de 2019, Gemini Man, où nous avions Will Smith, qui à l'époque n'était pas encore un baffeur professionnel, peut-être remarqué, j'en sais rien, qui avait également son double qui était plus jeune que lui, et l'effet fonctionnait très bien. C'est également d'ailleurs le cas ici avec Ezra Miller, qui joue donc Barry, soit le personnage de Flash. Mais concernant vraiment le visuel en lui-même, c'est absolument terrible. Nous avons à un moment donné, pour vous donner un exemple, le personnage de Flash qui avance au ralenti, et il y a des bébés à sauver, mais les bébés, tu vois bien que ce sont des faux, alors je ne sais pas si ce sont des mannequins défaillants, ou alors des effets spéciaux visuels et CGI qui sont vraiment hideux, mais il y a un vrai souci et c'est vraiment se payer la tête du client, excusez-moi l'expression, là vraiment c'est effroyable. Nous avons aussi quand même des moments de champ de bataille où clairement il n'y a absolument aucun environnement autour, c'est absolument terrible, et tu as donc l'impression d'assister à une cinématique de jeu vidéo qui n'est pas très inspirée, c'est assez détestable également à ce niveau-là, et j'y viens aussi puisque finalement le film certes introduit vraiment logiquement en profondeur pour la première fois le personnage de Barry, mais dans les faits, il introduit davantage, il travaille davantage les capacités, les pouvoirs de Flash, plus que son origin story, qui est en elle-même quand même relativement expédiée et de ce fait bancale, c'est quand même dommage. Nous avons aussi donc un déplacement pour The Flash lorsqu'il doit aller très vite, qui est particulièrement ridicule. Je ne comprends pas que le film ne se soit pas dit « Ouh là là, on va peut-être un peu revoir cela et faire des reshoots », parce que clairement, le personnage de The Flash qui est censé avancer à une vitesse hallucinante et t'as l'impression qu'il est en train de marcher, c'est quand même également se moquer du monde, je suis désolé, à un moment donné, c'est quand même ce que je pense. Bon, si d'un point de vue du visuel, ce n'est pas très convaincant, est-ce que la mise en scène peut sauver un petit peu le tout ? Non, pas vraiment, mais j'ai surtout envie de dire que c'est le montage qui, lors des scènes d'action, est particulièrement catastrophique. Un montage qui est beaucoup trop ciselé. Que le montage soit parfois extrêmement effréné, frénétique, pour des comédies, afin de donner un certain rythme, bien sûr. Mais alors là, par moments, on a des scènes de combat où il y a plusieurs personnages en parallèle qui sont en train de se battre contre des ennemis différents. Tu passes de l'un à l'autre, tu n'as le temps de rien comprendre spatialement. Tu es perdu, tu es largué, parce que oui, ça veut être minimaliste, parce qu'en effet visuel, on ne veut pas en faire trop. Et de ce fait, bah, tu es complètement largué. Donc ça, c'est quand même fortement regrettable. Concernant le scénario, le synopsis du film, je ne vais pas spoiler le métrage, rassurez-vous, mais l'idée globale, c'est que le personnage de Flash veut remonter le temps pour sauver sa mère qui est morte. On a accusé, et on le sait très bien, à tort son père d'avoir tué sa mère, ce qui n'est pas le cas. Pour autant, donc, il va essayer de remonter le temps. On lui fait bien comprendre que s'il repart en arrière, il risque clairement de faire imploser les univers et de créer des failles spatio-temporelles. C'est le personnage de Batman, Ben Affleck, qui lui informe de toutes ces informations très importantes, bien sûr.
sûr. Pour autant, le personnage de Ben Affleck, qui se préoccupait quand même qu'il y ait un dieu parmi les humains sur Terre dans BVS avec Superman et qui voulait le dérouiller de manière complètement irraisonnée, là, il a quand même bien compris que le personnage de The Flash va faire n'importe quoi incessamment sous peu avec les failles spatio-temporelles, mais pour autant, le gars se tire avec sa bagnole et ne s'occupe pas de jouer son rôle de mentor pour le Flash, donc après tout, pourquoi pas, c'est pas la seule bizarrerie scénaristique du film, parce qu'on a aussi droit à Michael Keaton qui joue avec des spaghettis là-dedans, c'est quand même absolument démentiel. En parlant de spaghettis, c'est quand même à cause d'une histoire de sauce tomate que la mère de Barry est morte, enfin tout du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais dans les faits, moi je suis désolé, je suis à la place de Barry, certes, je tâche de croire bel et bien que mon père n'a pas tué ma mère, ça c'est normal, c'est une réaction logique. Pour autant, il ne semble même pas essayer de se questionner sur la cause de la mort de la mère. Il veut sauver sa mère coûte que coûte, c'est normal, mais il n'agit pas en conséquence pour savoir comment elle est morte en vrai, pour essayer de remédier à cela. Donc moi j'ai trouvé que scénaristiquement parlant, il y avait vraiment un côté très artificiel à tout cela, côté artificiel donc démultiplié par l'arrivée de Michael Keaton qui est en train donc de jongler avec des spaghettis et qui t'explique les lois de l'univers de Retour à le futur, sauf que tu as un peu du mal à savoir comment il a autant d'informations sur le sujet. Après tout, c'est pas vraiment la question, c'est surtout qu'en tant que spectateur tu ne comprends rien à ce qu'il te raconte, ou tout du moins tu le comprends, mais quel est l'impact dans le film en lui-même? Je suis désolé, il n'était pas vraiment nécessaire d'avoir cette scène pseudo-scientifique pour essayer d'intellectualiser le tout, parce que c'est quand même globalement un film qui n'est pas spécialement très très intelligent plus que cela, hein. Moi je suis désolé vraiment, et alors surtout pourquoi je dis cela, parce qu'à la fin nous avons un dernier acte, mais c'est typique du DCU qui ne retient pas de ses erreurs, nous avons un dernier acte de combat contre le général Zod, qui nous revient tout droit de Man of Steel sorti en 2013, on reprend donc la structure scénaristique un peu à la fin de Man of Steel, hein, qui est mon film préféré de Zack Snyder, même si je le trouve très moyen, c'est ainsi. Et nous avons un final qui pour moi traîne beaucoup trop en longueur, qui est beaucoup trop mal fichu, et autant globalement je n'ai pas senti les 2h20 passer, mais alors à la fin du film j'avais vraiment envie que ça se termine. Et ça c'est l'écueil de Man of Steel, de Suicide Squad, de Wonder Woman, de Black Adam et donc de ce The Flash. Et ça fait quand même 5 fois. Donc moi à un moment donné je fais un lot groupé et je vais quand même un petit peu me plaindre auprès du DCU parce que ça devient franchement désagréable. Petite parenthèse, nous avons une scène post-générique avec Aquaman, ça m'a définitivement rincé. Je n'irai pas voir Aquaman 2 au cinéma, je l'annonce ici, parce que là vraiment à un moment donné, ça va bien, merci, ça va 5 minutes. Thématiquement parlant, le film a parfois de bonnes idées. En termes d'iconographie, le film est également extrêmement intelligent par moment avec le personnage d'ailleurs de Michael Keaton, le personnage de ce Batman qui est clairement le personnage le plus réussi du film, mais il est malheureusement beaucoup trop asphyxié par d'autres personnages au parcours, excusez-moi, mais beaucoup moins passionnant, avec beaucoup moins de potentiel derrière. Le personnage de Barry de The Flash, j'ai du mal à m'identifier à ce personnage dans la mesure où je trouve d'ailleurs vraiment que l'acteur joue comme une crêpe, et globalement tous les acteurs dans ce film sont catastrophiques. J'excepte quand même Michael Keaton et aussi l'actrice qui joue la Supergirl, et là j'ai trouvé qu'elle jouait très bien, en plus c'est la première fois qu'elle joue dans un film, donc elle n'a pas non plus clairement une performance de haut vol, ce n'est pas extraordinaire, mais ça passait plutôt bien. Et le personnage de Michael Keaton, clairement il y a quelques moments comme ça, quelques bribes, quelques petits instants assez magiques où il y a une certaine intelligence dans le sous-entendu, moi ça m'a beaucoup plu. Malheureusement c'est quand même très très peu dans un film de 2h20, et surtout on essaie de rendre hommage à Michael Keaton, mais alors avec une musique qui est parfois avec une atmosphère sonore assez horrible. Quelques instants ça reste secondaire, mais on a voulu reprendre le thème, la BO de Danny Elfman pour les deux films Batman avec Michael Keaton, les films de Tim Burton, la superbe musique, hein. Et ici, ils ont essayé de la moderniser légèrement, et alors le rendu aux oreilles est assez effroyable, je n'ai pas compris, c'est vraiment assez douteux également à ce niveau-là. C'est un film qui, pour autant, a quelques moments de blague plutôt sympathiques. J'avoue que donc, dans cette idée que nous ne creusons pas plus que cela le personnage en lui-même de Flash, je trouve ça embêtant. Je trouve que détailler un peu plus les capacités de pouvoir de Flash, c'est plutôt intéressant sur le papier, seulement dans les effets rendus, ça ne fonctionne pas vraiment. Par ailleurs, l'idée de phaser pour
traverser les murs, c'est peut-être possible scientifiquement parlant. Moi, je trouve que DC a déjà beaucoup de mal à gérer la super vitesse de Flash. Alors, si tu le bombardes d'autres capacités, ça risque à un moment donné d'être un peu compliqué à suivre, je ne vous le cache pas. Par ailleurs, petite anecdote assez amusante, parce qu'à un moment donné, je peux le révéler, c'est pas bien important. Nous avons donc l'origin story de The Flash, on comprend comment il est devenu The Flash, donc c'est un peu l'explication comics, hein. C'est un peu comme Spider-Man qui se fait mordre par une araignée, comme plein d'autres super-héros, c'est toujours un peu ridicule dit comme ça. Je trouve que là où un film Spider-Man à chaque fois va réussir à crédibiliser ce qui va se passer, là clairement c'est tellement balayé en deux secondes que ça devient très brouillon et assez idiot. Et alors, mention spéciale au moment quand même où, pour réveiller les pouvoirs de Flash, nous avons Michael Keaton qui fait joujou avec un cerf-volant Batman juste au-dessus de son manoir Wayne. Ça fait des années qu'il essaie de cacher son identité secrète, et là, oh ben regardez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du manoir Wayne? C'est pas croyable, un cerf-volant en forme de chauve-souris, mais c'est pas possible, incroyable. Donc il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme et se détendre. C'est un peu l'idée. Et nous avons aussi des caméos, des personnages qui ont interprété des super-héros par le passé, et parfois même de nouveaux venus juste pour nous amuser un petit peu et amuser la galerie. Je ne révélerai pas de qui il s'agit. J'ai trouvé cela extrêmement particulier, assez bizarre, et au regard d'un film comme Spider-Man No Way Home, vraiment, ça fait un peu de la peine, d'autant plus. Et aussi, autre point, balançons-le là aussi, on a un Flash qui, à un moment donné, se concocte lui-même son costume, et ça nous ramène un peu à des délires de gosse que l'on peut avoir, d'éternel enfant, à vouloir, avec du matériel qui n'est pas forcément approprié, se déguiser dans nos personnages idoles, et ça peut être un bon point. Bon, moi, le personnage de Flash, je n'en ai jamais eu grand-chose à carrer plus que cela, je pense que ce n'est pas avec ce film que ça changera grand-chose. Et j'ai largement préféré, dans le travail de la vitesse, les propositions dans les films X-Men avec Vif Argent. Pour moi, c'est le jour et la nuit. C'était pas un film que j'ai détesté, vous l'aurez compris, je ne suis pas non plus en train de crier au ratage intersidéral au point que ce soit le pire film de l'année, mais clairement il est quand même malgré tout, oui, dans le bas du panier, parce que c'est difficile de se contenter du peu de points positifs qu'il y a dans ce film, à savoir quelques moments comiques qui peuvent fonctionner, tous les moments comiques ne fonctionnent pas, le personnage de Supergirl qui peut être intéressant à creuser, le retour en flashback sur une scène parallèle à Man of Steel, ça m'a plutôt intéressé à ce niveau-là, le personnage de Michael Keaton également, même si j'aurais aimé qu'on lui donne plus de place, même si, rassurez-vous, si vous voulez voir ce film uniquement pour Michael Keaton, vous serez évidemment servi. Il ne me reste plus qu'à vous demander dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Je suis revenu en 2021. Oh, j'ai ma voix qui a mué. Oh, il faut que je mue.